mesdames et messieurs, amis compatriotes, TV la caille haïti.com. Jodi a la DGPNH la France LB sorti dans silence dans conférence de presse ça que et donc DGPNH lui-même li bay côté te gen anpil journaliste qui pose question. Eh bien, grande question qui pral faire France LB voye message direct bay tout bandi mesdames et messieurs ou pral saisi tande et monsieur déclaré et nèg kanaran yo yo même après massacre yo fin fait un bon repos hier et en pile moun perdit la vie yo en bus boulé en pile déblosay fait nèg yo touye moun yo boulé moun bagarre té vraiment raide dans bon repos mesdames et messieurs. Et ben c'est chef chef gang kanaran qui lui même responsable qualité massacre ça qui fait sous population nan bon repos mesdames et messieurs. Nous pral inviter ou entendre DGPNH là qui pral bay bilan tout sous quantité bandi que la police pété fiel yo sous quantité zam tout la police récupéré et quantité bandi tout qui arrêté mesdames et messieurs. Et ben jodi a la DGPNH là pat mette de l'eau dans bouche li pour monsieur te parler avec population haïtienne nan que le mande aide yo pour aider la police traquer tout nèg illégal qui gen zam nan men yo cap en fait sans peuple la couler tout nèg qui ont même pas respecté la loi qui pense c'est eux même cap diriger pays ça mesdames et messieurs. Et ben nous pour le faire autant de France LB DGPNH là qui dit même te nan micro la presse ou sur TV la caille haiti.com. Bon écoute tout le monde n'ap tourner au niveau de la communauté internationale. Pas oublier monde dans son village. Haïti pas pour col. Son village. Nous comme professionnels, nous comme force de l'ordre, responsabilité nous c'est collaborer à tout le monde qui vient des pays dans la question de sécurité. Ce n'est pas à nous-mêmes qui décider venir ou pas venir du force de l'ordre. Mais job par nous comme professionnels, c'est respecter les décisions des autorités politiques et collaborer convenablement avec toute force qui disposait vite un coup de main en Haïti. Et comme Haïti fait partie d'un village et nous fait partie d'une région, donc nous ne pouvons pas traiter tête nous seuls. Les questions de sécurité sont bagaille globale. Bonjour. Alors, moi c'est Roland Emmanuel Bouchard. Je travaille pour Radio Télé Zénith. Question par maintenant, il y a deux volets. Alors, et déjà, je ne sais pas si c'est moi qui m'a entendu. Dans le bilan que vous avez fait, je ne sais pas si vous avez dit zone police là, rivière récupérée, qui est sous contrôle bandit pendant toute l'année 2023. Là, nous connaissons que zone métropolitaine, lui-même, lui, c'est tiré. Ou pas quitter capitale là pour aller dans le nord ou encore pour aller dans le sud, même en gros partie dans la zone métropolitaine. Deuxième volet, nous sommes journalistes, nous dans la rue, nous avons des cris de la population. Un pile dans qui dit police nationale là, je ne j'en dis pas, l'ivine tourne une police particulière, les pas protéger la population vraiment, c'est plus des particuliers la protéger et puis intérêt particulier la protéger. Mais qui sont capables de répondre avec un pile monde dans la société a, qui comprend la police là qu'on s'ajoute aujourd'hui à la police nationale là vraiment pour yo des sentiments tout bon et bien police ça c'est police nationale c'est pas une police particulière. Merci. Pas oublier que nous disons que le pays a vécu un moment extrêmement difficile. Et surtout en matière de sécurité. Sécurité n'a pas un domaine pour col, un pile domaine qui influence. En pile fois, le domaine sécurité a ses conséquences de ou ensemble de l'autre action dans l'autre domaine qui est banal. La police là, à vous mettre chaque jour à bandit. Si nous suivons les réseaux sociaux, publication de la police, là, avec les moyens que la police a gagné, nous vous mettons à bandit.
et nous réaliser des opérations qui portent fuit. Dit que la police là faillit à mission. Présenter la police là comme une force nulle, c'est anti-jean grave. Pendant que les policiers ont sacrifié vie dans la rue à chaque jour pour protéger nous. En pile fois, tout le monde, la caille, la rue chaud, mais la police a obligé là dans la rue pour protéger bien nous, pour protéger vie nous. Comme pays a vécu une situation difficile, il n'est pas revenu seulement à la police là pour résoudre le problème que nous avons aujourd'hui, mais il a demandé pour chaque secteur en dans la vie nationale là pour te coller. Mais ensemble, pour nous résoudre le problème que nous avons. La police a déterminé et nous sommes prêts pour nous continuer à faire sacrifice, engager nous dans la lutte pour libérer la population. Nous ne pas décourager et nous continuer à faire. Canard, actuellement, nous avons commencé l'opération de démantèlement des dents. Nous avons profité de l'espace pour demander à mon canard. C'est le moment pour que vous plus collaborer avec la police. On met ensemble pour que nous rendons Canaran village vivable. Qui a deux, trois personnes qui ont terrorisé la population. Je demande la population pour te coller avec la police là pour nous résoudre le problème. Actuellement, nous commençons processus de démantèlement gang au niveau du canal. Quel effort que la police a fait? Si on prend blocage terminal Varoué, libération Varoué, c'est une victoire policière. C'est au prix de sacrifices. Plusieurs opérations réalisées. En pile échange de tir. Chaque soir après une opération, nous obligés de regrouper nos salles pour nous garder vidéo, pour nous garder qui gens qui meilleure stratégie pour nous utiliser le lendemain. Jusqu'à ce que va relibérer gaz sorti. Moi, demandez-nous visiter vidéo. Si vous nous avez un petit doute, sous journaliste responsable que nous prenons tous là dans nous. Nous étions ouverts dans l'institution de la police pour nous partager des vidéos avec vous pour nous faire regarder. Qu'on a visionné ou regardé. 30 ans pour regarder. Laisse ça. Les gens qui n'ont pas formé conviction sur ça, il n'y a pas formé conviction sur ça. Nous apprenons deux dernières questions et parce que nous connaissons que questions en pile. Deux dernières questions. Bonjour tout le monde. Moi-même, moi c'est Milias Noxon. Grande question à deux volets. Même commencer avec opération Varoué DG. Depuis 12 septembre, nous connaissons exactement ce qui est dans le pays. Monsieur était bloqué en bas, tu as environ 2 mois, etc. Jusqu'à ce que. Pendant novembre, là, on dit qu'il y a une opération policière qui fait et puis débloquer tout ça. Mais on dit que nous avons toujours visionné vidéo tout ça. Mais est-ce que nous devons comprendre là, messieurs en bas, les armées, ils ont gagné plus de formation que la police, qui prend formation, nous connaît déjà au niveau national et international. Ça fait une. Deuxièmement, moi, j'attendais avec attention tout, bilan opération que vous présentez pour nous pendant l'année. Est-ce que le gouvernement lui-même est satisfait? Là, nous considérons tout, grand paquet de côté, en pile zone. Messieurs, vous êtes toujours occupés. C'est très vieux fait par la fête fin d'année, mais ce n'est pas pour pression intervention policière qui fait. Et ça nous va bien tout. La police lui-même le fait en pile travail. Merci. Là, je dis que. La police a mené une lutte contre les bandits chaque jour. Nous pas sous bonne foi bandits. Ça que nous gagnons sous sacrifice policier, engagement policier dans la rue.
Donc, ZAM, ça, on a regardé là. Regardez, ce n'est pas ZAM en plastique, c'est bon ZAM. Et ce n'est pas pour toi, pour bon. C'est sacrifice que nous faisons dans la rue. Pour que nous prenions, affrontions. Donc, nous sommes capables de dire que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits par rapport à l'engagement et esprit de sacrifice que les policiers ont engagé dans la rue. Et comme commandant en chef, nous sommes capables de dire que nous sommes satisfaits. Je dis à nous présenter ensemble de travail que la police fait pour nous montrer que la police là, la travaille. Même là que conditions de sécurité pays, amélioration que nous avons cherché, nous ne pouvons pas joindre, j'en souhaite. Mais la police a gommé en pile. C'est le message que nous avons dit à vous. Bon salut tout le monde. Non, maman, ma papa, ben moi, c'est Joseph Michaud. Je travaille pour un média en ligne qui est Radio Télémacandal. Déjà, je me sens content pour le bilan. Il y a pile journaliste qui débarque, qui vient prendre le bilan la main pour le capable à Simaël pour vous. Mais dans le bilan, déjà, je ne vais pas remettre des gars la police fait sur le journaliste, non? Maxi Ben Lazare, la police tue elle. Sous ta opoa. Romel Sonvalsin, Vilsin, la police tue nan mi tan commissariat. Juste nous fait yon maquillage nan la avec li nan l'hôpital pour nous dire c'est dans l'hôpital de mouri. DG, c'est même presse ça jodi a poil pour tes messages là pour vous. Moi même kap parle vola. Mardi 25 octobre à 3h de l'après-midi, sous chat masla. Ma travaille, ma l'étudier pour ça. Pendant la police a fait arrestation, un policier prend gros amni. Il fait une caméra là maintenant en deux. On t'a mouri qui était 7 petites. Au conseil on t'a devenu, moi pas parler sur ça. M'aller dans IGPNH. Yo prend doléance yo auditionné jusqu'à présent la police pas jamais dit est-ce qu'il a permis prendre caméra caméra par caméra l'état c'est mon travail m'acheter caméra pam mais jodi a la police arrêté journaliste dans fonction travail li yo pat li yo rentre avec dans commissariat yo humilié yo pat nous. Moi, pas mettre ça dans le bilan, oublier ça. Ça va arriver dans un ou DG. Je pense, est-ce qu'on parle d'un autre bilan pour journalistes spécial? Parce que c'est nous-mêmes qui pouvons porter une nouvelle là pour vous. Merci. Maintenant, le bilan. Je dis donc que. Pendant que nous travaillons pour améliorer les conditions policières, pendant que nous prenons les mesures pour que nous encadrer les policiers, en même temps, tout, nous appliquer rigueur avec les policiers, les gagner au fond administrativement grave et les gagner en infraction, nous prenons responsabilité comme commandant. Ce n'est pas sans raison que il y a plusieurs policiers qui sont révoqués, il y a des policiers qui sont arrêtés, et il y a des policiers qui sont en isolement, et il y a des policiers qui sont en mesure conservatoire. Et l'information est là. Journaliste Michaud? Là? Merci. Je m'appelle Vito. Toutes les fois qu'on a besoin d'informations, il faut nous ouvrir pour une bonne information. Pas qu'on finit par aller. Ah non, ça c'est autre chose.
Si son demande pour nous remettre caméra, c'est autre chose. Mais présenter la police là, comme moun kap viole chaque jour membre la presse, c'est une image qui est très grave pour l'institution de la police là. Excusez-moi s'il vous plaît. Bon, une minute. Frère journaliste, moi. Quand Maxi Ben sur route d'Elma, sur route aéroport, enquête là ouvri. Mais tout autant que l'enquête là va fini, pas qu'il y a communication qui fait publiquement de l'enquête là. Par contre, si une association de presse, si un journaliste besoin qu'on ait qui genre enquête là évolue, il est libre pour contacter l'inspection générale. Je vous garantis que vous avez une information, vous avez gardé avec vous et vous pouvez. Qui degré d'avancement enquête là? Laisse ça. Ou à pas mesure pour former conviction. Quand un journaliste qui blessé dans le commissariat de Delma et qui. Journaliste, s'il vous plaît. Bon ensemble de mesures, bon ensemble de bagailles pour vérifier avant qu'on confirme l'information. Et ça m'a dit là, il y a un document. La police a un document. Et moi-même, comme un commandant professionnel, je ne peux pas tolérer un policier qui fait une bavure grave contre la presse. Je fais une déclaration ça et TPL. Et à vérifier l'information que je fais là. Vérifier avant que nous parlions. Pas quitter sentiment, nous parlions. Pas quitter émotion, nous parlions. Nous comprenons nous comme êtres humains. Les nos frères nous qui blessés, ou qui mourit, qui gens nous blessés juste dans l'homme nous. Mais comme nous connaissons nos des professionnels, avant que nous portions un jugement ou du moins portions une affirmation, vérifions. Enregistrer déclaration de la police à bail sous casa. En d'un commissariat d'Elma, il y a un groupe de monde qui entre, parmi lesquels gagner des journalistes qui entrent suite en dans commissariat suite à une arrestation qui fait. Bon journaliste que appréhendé. Mais c'est l'arrivée